On passera pas par là. C'est fermé. Allez, par là. Va jeter un œil. Je t'attends. Bon, bouge pas. Ok, Sully, c'est bon. Monte. Je vais grimper et faire le tour. Je te dirai si c'est bon. Ok. Tout va bien? Ouais. Mais j'ai eu chaud. Attrapez-le! Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu foutais? La routine. Allez, viens m'aider. Viens, par ici. Faut qu'on se bouge le cul. Sully, par ici. Bon, recul. Fais-moi descendre. Ok, une seconde. Je vais voir. Par là!
Nate, ici. Recule, je vais tirer. Sully, aide-moi. Ça grouille d'agents dans le coin. Chloé et Cutter ont peut-être des ennuis. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? C'est pas vrai. Vous êtes pas en France? On vient vous sauver. De quoi? On vous croyait piégé. Ouais, ou pire. Pourquoi? Talbot nous attendait au château, c'était un piège. Et nous, on croyait qu'ils vous suivaient aussi. Ouais, je confirme, ils sont ici. Sans blague. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait baisser d'un ton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça fait un jour qu'on essaie de vous joindre. Ah, ouais, j'avais plus de forfait. Tu utilises des cartes prépayées? Bah, pas le choix, t'as vu le prix de ces trucs. Quoi? Le mien est mort. Encore? Ouais, bon, on s'en fout de tout ça. Regardez ce qu'on a découvert. Tout est écrit là. Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique. Les services secrets occultes anglais, l'école de la nuit, le Hellfire Club, l'ordre de l'Aube Dorée, ils sont tous connectés. Alors John Dee... Et Francis Walsingham, et Walter Raleigh, et même ton pote Drake, ils en faisaient tous partie. Le but, c'était le pouvoir. Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur. Attends. Alors, Marlowe et ses sbires sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard. Vous pouvez en venir au fait, s'il vous plaît. Oui, il est vraiment temps qu'on parte. Ouais, ouais. Tiens, regarde. Quod est superius. Est sicut, quod est inferius. Ce qui est en bas est en haut. C'est la clé de toute cette histoire. Il faut monter au sommet du château. D'où les escaliers. Bien joué. On devrait pouvoir accéder aux cryptes avec cet indice. L'entrée doit être cachée quelque part ici. Là, c'est la plus haute tour. Ok. Donc on a juste à traverser... À terre! Et là? Très bien, c'est le seul chemin vers la tour. Super. On n'avait pas prévu de faire tout ça discrètement. Tu quoi? On peut pas laisser tomber. Ah, oh, pas si près du but. Allez, on va les contourner. Ils sont là. Faut juste les trouver. Tu vas voir quand ils mettront la main sur Cutter. Les deux autres courent toujours? Pas d'inquiétude. Talbot s'en est chargé en France. Entrez au pied de la tour. Bon, il reste plus qu'à voir ce qu'il y a là-haut.
Une grille, parfait. Charlie, donne-moi un coup de main. Go. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, on la redescend. Allez, suivez-moi. Par là. Un petit cadeau pour toi! C'est fini. Tu travailles ! Merci, Fty. Il vous a sauvé la vie. Thank you.
Putain. Venez. Par là. Hé, couvrez-nous, ok? Ouais, c'est ça. Grouillez-vous, les gars, ok? Ouais, ils vont nous canarder, là. Hé, là. Tu vois? Ce qui est en haut et comme en bas. C'est le bon endroit, c'est sûr. Ouais, mais au bon endroit, pourquoi? Eh ben, je pense que les croisés ont caché l'entrée de la crypte sous notre nez. Une minute. Ouais, tiens. Il y a le même symbole sur la carte de Drake. Juste à côté de ça. Bien sûr, la petite ours, l'étoile polaire. Le seul point fixe dans tout le ciel. Donc, si on la suit jusqu'au château? Tu veux parier que ça indique l'entrée cachée? Je peux voir? Ouais. C'est juste un prêt. Le télescope, vieux. Oui, oui. Si tu te fous du télescope, prends-le-moi. Je peux le faire. Je vais l'utiliser. Donc, on doit dénicher l'étoile polaire.
On doit juste trouver la poignée de la petite ours. L'étoile polaire est la plus brillante, juste au bout. On doit juste trouver la poignée de la petite ours. L'étoile polaire est la plus brillante, juste au bout. On doit juste trouver la poignée de la petite ours. L'étoile polaire est la plus brillante, juste au bout. On doit juste trouver la poignée de la petite ours. L'étoile polaire est la plus brillante, juste au bout. On doit juste trouver la poignée de la petite ours. L'étoile polaire est la plus brillante, juste au bout. Je l'ai trouvée! Bon, voyons si on peut trouver l'entrée. Elle devrait être juste sous l'étoile polaire. La voilà. C'est ce qui s'appelle cacher sous notre nez. Ouais, une minute. Ça peut pas être aussi simple, si? Attention! Attends! Ah ah! Tirez-vous! Ah!
remaniez-vous ! C'est quoi leur problème à ces types ? Ils sont en train de tout détruire ! T'arrêtes pas ! On peut l'utiliser ! Pas tant qu'ils nous tirent dessus, nom de Dieu ! Attention ! On va tous les dards ! Non ! Nate ! Que quelqu'un chope cette arme ! Attention ! On va tous les anéantir, il restera rien quand on aura... Ils abandonnent jamais ? Allez, on doit bouger, vite! Ça me servira. Allez! Allez! C'est bon! La voie est libre! Sur le cœur! Allez! Allez, Nate, allez! On trouve un chemin et on vous retrouve. Attention! Et merde! Hé, hey, vieux, là! Ils viennent de passer. C'est la tour. Le mur. Et pour celui et Chloé, il faut bien. Hé, hey, regarde, regarde, c'est juste là. On doit aller jeter un œil. Non, je pense que c'est pas une. Et il est parti. Chouette. Il vaut mieux être discret. Restez groupés, pourchassez-les! Faites-les sortir. Adios, les gars. Ah !
est à moi. Non! Allez, par ici. C'est bon. Oh. Mais c'est... Ouais. Oh. Ça aurait été trop simple. Attends, attends, attends. C'était certainement pas un placard il y a 1000 ans. Non, 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 vieux. On doit louper un truc. Eh, attends, attends. Les statues, t'as vu? Une main en haut et l'autre en bas. Ouais. Regarde, en haut, en bas. C'est toujours pareil, c'est partout pareil. Donc encore un indice en plus? Bah, on dirait bien, ouais. Passe-moi le télescope. Ouais, tiens. Merci. Hé, encore ce symbole. Ouais, c'est peut-être pas dans le ciel, mais quelque part sous terre. Ça doit être quelque chose à l'intérieur du château. Hé, ouais, là. Ce qui est en haut et comme en bas. Ouais. Bon, maintenant dirige la lunette vers Qu'est-ce que tu fabriques? Ouais, ces piliers, ça doit être ça. Ok, on va aller jeter un coup d'œil. On retrouvera Sully et Chloé en chemin. Ils sont là-bas! Merde! Ils nous ont vus! Allez Charlie, on peut pas rester coincés ici! Il faut qu'on bouge! Ah, merde! Ça venait d'où ça? Hey, c'est Sully!
alors. Attention, ils sont deux. Là, on peut accéder aux colonnes depuis la tour.
Allez, on va les retrouver, ces mecs. Ça va, Baudet ? Ouais, toujours en un seul morceau. Venez, je crois qu'on tient un truc. Content que vous alliez bien. Pareil. Bon, voilà le mur. Bon, l'entrée de la crypte doit être par là. Bien. Et qu'est-ce que Laurence en dit ? Rien. Il est pas allé plus loin. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? En général, deux piliers symbolisent une entrée. Cool. Lesquels ? Et une entrée vers quoi ? Bon, un autre royaume, un lieu saint, un lieu d'initiation. Ah, voilà qui est prometteur. Hé, hey, tête de l'autre côté. Ouais, ok. Non. Donnez-le-moi. Bien. Maintenant le journal. Merci. Vous fiez pas à Drake. Oui, Charlie. Qui c'est ? Non, non, non. Merde. Personne. Comment il a fait ? Charlie, ça va ? Hein ? Charlie ? Regardez. Bon sang, c'est un coup d'effort spécial ou quoi ? Espérons que c'était juste une petite dose. Oh non, 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 non. Oh merde ! Doucement. Hé, hey, Charlie, hein ? Là, faut qu'on file, ok ? Ne me touche pas. Éloigne-toi. D'accord, d'accord. Personne te touche, Charlie. C'était quoi cette fléchette ? Mon visage tombe en lambeaux. Je sais pas ce qu'ils lui ont donné, mais c'est de la bonne. Charlie, écoute. Hé, hey, tout va bien. Non ! Vous m'emmènerez pas. Personne t'emmène nulle part. Allez, viens. Viens avec nous, d'accord ? Ouais. Oh non, le sol est mouvant. On peut pas rester là, faut bouger. Comment ? Faut juste trouver l'entrée de la crypte. Super, et comment ? Charlie pensait à quelque chose, mais je sais pas quoi. La baguette du magicien. Oh non, non. Sans le journal, on la trouvera jamais. Je réfléchis. Ok. Hermétique. Du grec Hermès, soit pilier. J'ai besoin... Je crois qu'on avait compris. Les sept piliers de la sagesse ? Entre clémence et violence. Non. On se plante non. Depuis le début. C'est non. Pas l'espace entre les piliers. Oui. C'est celui du milieu. Équilibre. Quoi ? Comme le livre de Charlie. Le pilier de l'équilibre entre les deux extrêmes. Entre le blanc, l'eau et le feu. La femme et l'homme. Au milieu. Au milieu. Oui. Sully, viens m'aider. Allez. Non, non,
Non, ça va, Charlie, du nerf. La montée et la descente ne font qu'un. Voilà. Par là. On va devoir...